suis de Marie-Galante, la charmante petite île de Marie-Galante. Oh oui. Donc, j'ai fait ma scolarité normale, de la primaire jusqu'au collège à Marie-Galante. Parce qu'à l'époque, il y avait le lycée, mais le lycée, c'était un lycée technique. Donc, pour poursuivre des études générales, il fallait impérativement descendre en Guadeloupe, ce que mes parents ont fait pour la plupart de mes frères et sœurs. Nous sommes tous descendus sur la Guadeloupe. J'ai commencé d'abord par un bac général littéraire mathématique. Ensuite, j'ai poursuivi par un BTS tourisme, accueil et animation sur la Martinique. Et au retour de la Martinique, j'ai travaillé pendant un certain temps à l'aéroport. Je faisais les accueils touristiques pour différentes agences parce qu'ils n'avaient pas tous un volume suffisant pour embaucher. Donc, sur plusieurs agences, on avait plusieurs prestations. On était peut-être une dizaine de jeunes femmes. Et avant de trouver le travail, ici même, dans le commerce de vente de peinture.